Et salut toi derrière ton écran, c'est Gabriel, j'espère que ça va comme tu veux. Aujourd'hui, petite découverte, semi-découverte, qui n'était pas prévue. Suite à l'actualité, j'ai changé mes plans. Tokyo Extreme Racer. Alors, à ne pas confondre avec Tokyo Extreme Racer, le premier sur Dreamcast, qui est chez nous, Tokyo Highway Battle. Ouais, c'est compliqué, cette série est compliquée, non pas de sauvegarde, on s'en fiche, c'est juste pour faire une petite découverte pour découverte, parce que j'ai joué un peu à ce jeu, mais pas tant que ça. J'ai beaucoup squatté la version Dreamcast, donc, alors pour résumer vite fait, ça fait partie de la série des Shotoku Battle, qui est une vieille série de jeux de course sur autoroute japonaise bien avant que tous ces délires de JDM deviennent hype dans le monde. Pas de méprise, j'aime les JDM, mais bon, voilà, maintenant tout le monde connaît, tout le monde est hype depuis des années. Et bah c'était bien avant, parce que le premier est sorti sur 80, sorti sur 94, est sorti sur Super NES, pardon, en 94. Et c'était le premier de la licence, mais je pense que ça va empêter avec la version Dreamcast, donc Tokyo Highway Challenge chez nous. Mais c'était Tokyo Extreme Racer là-bas. Et du coup, Tokyo Extreme Racer 0 devait sortir sur Dreamcast, mais finalement il est switché sur PS2. Bon, enfin, un bordel. Voilà. Bon, on n'est pas là pour faire un test, on est là pour faire une semi-découverte. Et pourquoi du coup Tokyo Extreme Racer? Parce que le dernier épisode, bon, c'était... Si on peut dire que c'est le dernier épisode, c'était sur smartphone, c'était en 2017, c'était pas fou. Le vrai dernier épisode, c'était sur 3.6, c'était Importuner. Voilà. Importuner, c'était sorti en 2007, 8, un truc comme ça. Donc ça fait un petit moment que Genki, parce que c'est Genki qui développe, n'avait pas... avait abandonné la licence, tout simplement. Et puis là, il y a quelques jours, il y a eu une vidéo comme quoi Tokyo Extreme Racer allait revenir en 2025. Donc, grosse hype. Et là, je me suis dit, bah attends... Allons remettre un petit coup de Tokyo Highway Challenge. Sauf que Tokyo Highway Challenge que j'ai sur Dreamcast est extrêmement capricieux à capturer en vidéo. Je me demande pas pourquoi, c'est la Dreamcast, c'est ça, VGA, pas VGA, bref, un bordel. Du coup, bah, j'ai switché sur la version PS2, que j'ai aussi en ma possession. Donc on n'est pas pour faire un test, on est un peu pour faire une petite balade, montrer un peu le jeu. C'est un jeu qui est divisé en trois catégories de voitures, comme tu as pu le voir. Là, on n'a pas d'argent, j'ai que 15 000 $, donc on est obligé de prendre le bas du bas, voilà, déjà c'est trop cher, tu vois. Alors il n'y a pas de licence, hein, mais tu reconnais très bien les voitures. Ah bah attends, elles sont pas chères celles-là. Intéressant. C'est pas hors de prix, intéressant. Bon, tu reconnais les S14, les S13 et compagnie, hein. Regarde, j'ai clairement marqué S15 sur celle-ci. Elles sont pas fait chier. Vraiment. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? TCRX là. La Civic. Ok, notre Civic. Ok, attends. Mais est-ce que j'ai assez peut-être pour l'autre classe, la classe B? Pendant que je fais mon choix, qu'est-ce que les Shotoku Battle? Bah, en fait, comme je l'ai dit, c'est des courses sur les autoroutes de Tokyo 8. On dit Tokyo 8? Ouais. C'est un truc typiquement japonais. Avant, nous en Europe, c'est pas trop notre délire. Mais à l'époque, c'était très très hype. Et ça se fait encore d'ailleurs beaucoup, hein. Mais ça vient vraiment des courses des années 90 où les mecs se tirent à la bourre. Avec des Supra, des R32 et compagnie. Hein. Sur les autoroutes japonaises la nuit. C'est ce qui a donné le lieu à plein d'autres jeux de films d'ailleurs. C'est inspiré, hein. Écoute, je fais le choix de ma caisse et puis après je continue mon explication. Bon, mon choix c'est porté sur une Lancer Evo 3, il me semble. Ouais, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de bleu, écoute. On a un petit jaune comme ça. Oui, tu peux changer de nom si tu veux. On s'en fiche, on n'est pas là pour faire un follow. Bon, let's play, tu connais pas la chaîne. Pareil, tu peux choisir tous les trucs, les quartiers et tout sur ta plaque, c'est hyper hyper personnalisable. Hop, on s'en fout. Et on va prendre... Ah, tu sais quoi, on va directement prendre le mode quest. Voilà. Alors je ne sais plus ce que j'expliquais. Oui, c'était un jeu de course sur autoroute où le but c'était d'être le plus longtemps possible devant ton adversaire. Donc concept un peu particulier. Surtout que c'est une autoroute, hein, tu tournes en rond, littéralement. Donc c'est tous les, j'allais dire Tokyo Highway, tous les Shotoku Battle ont ce principe, sauf les versions Drift, parce que oui, il y a eu des versions Drift, mais je me demande si ça part pas avec les Kaido Battle chez nous, enfin bref, c'est un bordel les noms, je t'assure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors après, un peu de tolérance, on est quand même 2001 sur PS2, c'est pas dégueu. Okay. Bon évidemment, la Dreamcast lui met un vent monumental, c'est vraiment, c'est abusé comment... Tokyo Highway Challenge est carrément plus beau, alors que pourtant c'est des consoles de la même génération.
Mais sur certains jeux, la Dreamcast, vraiment, allumée tempête. Donc là, par exemple, tu vois, tu as un adversaire. Tu vois, les barres de SP en haut. Hop, petit appel de phare avec R2. J'ai l'impression que je fais un test. C'est horrible la façon dont je décris le jeu. Ça, c'est une découverte, merde. Une redécouverte, tu vois. Donc, on voit à droite, t'as le logo du gang. Bon, les musiques sont typiques, hein, je te laisse écouter. Ouais, il y a un petit klaxon, ouais. Donc voilà, le but juste c'est d'être assez devant pour vider la barre de SP de ton adversaire. Donc c'est assez rondonnant, c'était pas dans le délire. Tu te dire, ah, c'est que ça, je roule sur l'autoroute. Et oui, c'est que ça. C'est que ça, mais t'as quand même du tuning, t'as même du réglage. Comme t'as pu peut-être le voir avant que je sélectionne mon véhicule. C'est aussi un mode freeride, tu veux rouler librement sur les autoroutes de Tokyo. Je sais plus où il le. Voilà. Le rétro, c'est le. Ah oui. Ouais, c'est bizarre, t'as une touche juste pour checker vite fait le rétro. Donc, comme ça. Et le rétro, il est quand vu par choc. C'est très bizarre, je sais. La conduite, elle est très flottante. Voilà. Le gameplay est. Ah. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ok, putain, j'ai une E86, j'ai même pas vu. Je sais pas si à l'époque il y avait encore cette sorte de mort subite, mais peut-être que c'est un Tokyo Highway Challenge. Quand tu mettais une distance assez grande à ton concurrent, tu gagnais d'office. Et je crois d'ailleurs que plus tu es loin, plus elle se vide vite là-bas. Ce qui me paraît logique. Bon là t'as des embranchements, mais dans tous les cas c'est fermé. Potentiellement après ça s'ouvre. J'ai pas trop joué le 0, hein, vraiment. J'ai énormément joué à Challenge, comme je t'ai dit, sur Dreamcast. Mais j'ai pas beaucoup joué à celui-ci. C'est sensiblement la même chose. Donc c'est pour ça que je ne peux pas te dire exactement quelles sont les différences. Donc on gagne de l'argent, blablabla. Oui, il y a des replays, ça c'est incroyable. Et tu peux sauvegarder les replays. Je peux pas là parce que j'ai pas de memory card. Mais tu peux sauvegarder les replays, ça c'est incroyable parce que c'est vraiment beau gosse. Hein. Regarde. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit edit avec ce jeu. Ah, c'est sympa, en vrai c'est sympa. Donc c'est un jeu qui se trouve pas cher, hein. Tu vas pouvoir le trouver peut-être autour de 10 balles, même pas 10 balles, je pense que tu as 5-6 euros dans un cash quelconque. Hop, run. Donc là sur la minimap, tu vois, il y a des petits icônes bleues, c'est les concurrents, on va essayer d'en chercher un autre. Ah oui, c'est un My Savita, j'avais même pas fait gaffe. Ah oui, il y a pas de VF, hein. Voilà. Tu vois, là t'as un embranchement, tu peux prendre à droite ou à gauche. Juste checker un truc, voilà, tu peux directement dans le menu modifier tes réglages. Et ça c'est vachement bien. Voilà, bon là je peux faire que ça car ma caisse est stock. Mais t'imagines que c'est quand même cool pour un jeu qui est arcade, c'est un jeu arcade. Alors, pas se leurrer. Bon ça quand même cool, ça va taper. Bon les chocs sont pas tellement punitifs, tu perds de la vitesse. Donc voilà, ouais, c'est drôle, la touche rétro elle me fait trop rire parce que le rétro n'est qu'en vue par choc. En fait, par le rétro. C'est marrant. Hop. Petit appel de phare. Est-ce que c'est le même gang, je crois, hein. Je crois. Ça fait longtemps que je voulais faire une partuneur sur 3.6, j'ai jamais testé. J'aime bien, c'est tous les jeux un peu comme ça, JDM, Tuning, Underground-like. Et j'ai jamais test, c'est vrai qu'il code pas mal, hein. Le Importuner Challenge, il code pas mal de casse, je crois qu'il est autour de 50-60 balles, je crois. Gage le taxi. Donc c'est quand même un petit billet. Non mais. Tu partages. Voilà. Bon, on va voir, hein, ce que je dis, là il s'est bouffé le mur. Est-ce que la barre se vide vite? Ouais, hein. Ah, elle se vide vite, hein. Ah, ouais.
Mais encore, hein, c'est relativement long. Dis-toi que ça, c'est même pas des boss. Hein. Moi, je me rappelle sur Dreamcast. Putain, je suis, hein. Vraiment. Les boss, ils me stressaient et tout, parce que je l'avais fini sur Dreamcast. Et je me rappelle stressé comme des fous sur. Non. Je me rappelle stressé comme un fou sur le boss, hein. Sur les boss, d'ailleurs. C'est. On va retourner au garage, tiens. Non, c'était tendu, hein. On va voir si on peut modifier quelque chose, peut-être un kit ou un truc comme ça, même si on peut pas les acheter, que je puisse te montrer. Alors c'est en miles, mais là ils me disent en kilomètres heure. Ok. Donc, je peux aller au part shop et on peut modifier évidemment la mécanique, mais je crois que tu peux modifier aussi les pièces cosmétiques. C'est très très limité, mais ça mérite d'exister, hein, on est en 2000 ans. C'est-à-dire que Underworld n'est pas arrivé. Hein. Sachant que ça c'est 2001, mais Tokyo Riot Challenge, qui est la même chose, hein, c'était 99. Donc bon. C'est pas dégueu, des petites options, tu vois. Est-ce qu'on peut vraiment mettre un aileron d'enfoiré? C'est un aileron de CRX, hein? Non, d'Integra, pardon. Bon, on va rien mettre, évidemment. Au pire, peut-être, on va faire un peu de mécanique. Peut-être. Ça peut être sympa. La couleur. Ouais, on peut mettre des stickers déjà, je me rappelle même pas de ça. Mais non. Mais quoi? Incroyable. Incroyable. Attends, comment ça, Buddy Tune? Voyons voir. Ok. Ah d'accord, c'est un tout. C'est un tout, c'est... Non, on va mettre de la puissance, hein. Ah ouais, c'est cher de fou. On va rien mettre du tout, hein. Non, c'est vrai que ça coûte une blinde, il faut que tu tournes et tu tournes et tu tournes sur l'autoroute pour pouvoir... espérer avoir un peu de thune. Alors, changer de bagnole... la NSX, je crois que c'est la caisse la plus chère du jeu, c'est quasi 5000$. Donc bon. Et là, t'as la liste de tous tes rivaux. Allez, on va s'en faire un petit dernier. Ou peut-être changer de mode, je sais pas. On va voir. Ah, c'est vrai que là, si on quitte... je sauvegarde pas. Bon, on s'en fiche, écoute. C'est pas grave. Et on a un mode Quick Race, on a un mode Time Attack, évidemment, pourquoi pas. Du Free Run, tu peux jouer à deux. Et bon, après... Ouah, c'est vrai, il y avait ça. Mais non. Je crois que j'ai joué en live à ce jeu, je suis en train de me dire. Ça me rappelle quelque chose. Attends. Le trailer de Fast and Furious en live, ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression que je l'ai montré. Ça me dit quelque chose d'un coup, j'ai un flash. Ah, je l'aurais... peut-être lors d'une semaine spéciale voiture, je l'aurais stream. Ah ouais. Ouais, ouais, parce qu'il y a un documentaire, effectivement, sur tout le monde underground, comme ça, de la course urbaine. Ah, potentiellement, j'avais fait une petite... Ouais, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Bon, écoute, peu importe, parce que si je le fais en stream, c'est sur ma chaîne secondaire. Donc, pas de problème là-dessus, ça fait quand même deux contenus différents. Oui, j'ai une chaîne secondaire, si tu veux savoir. T'as tous les liens dans la description, d'ailleurs. Instagram, TikTok, Discord, Twitter. Et du coup, la chaîne secondaire sur laquelle toutes les VOD sont en train d'être réuploadées, parce qu'à la base, j'ai uploadé ici. Puis je me suis dit, ouais, c'est trop le bordel. Du coup, j'ai fait une chaîne secondaire que pour les VOD qui sont en cours de réupload, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, voilà. On va faire un peu de free run. De toute façon, c'était une petite vidéo comme ça. Juste parce que j'étais trop hypé de. Du retour de Tokyo Highway Challenge. En Tokyo Extreme Racer, pardon. Pardon. Eh, c'est Dreamcast, hein, ça m'a matrixé, hein. Moi, je suis à Dreamcast. C'est quoi, on va changer de point là. On est là. On va faire ça. Et hop. On va se mettre en manuel là. Ouais, la Dreamcast, ça m'a matrixé. J'ai toujours voulu Tokyo Highway Battle, non? Tokyo Challenge? Le bordel, avec leurs différents noms. Ouais, j'ai toujours voulu le 2. Je l'ai jamais pris. Mais bon, je ne désespère pas.
Il me semble que potentiellement je voulais déjà streamer ce jeu sur Dreamcast, mais dû au problème de capture vidéo, j'ai dû me rabattre sur la version PS2. C'est fort possible. Je commence à arriver à un moment où j'oublie ce que j'ai streamé. C'est grave, hein. Très très grave. En même temps, ça va faire s'éteindre. Voilà. Ah, donc la vitesse est là. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup le véhicule par contre, tu vois. Voilà, j'envoie la musique. C'est même comme ça. Voilà. 218. Ouais, c'est pas en miles. Hein. Ah, je confirme, c'est pas en miles. Ça m'étonnerait. Alors, on fait la conversion. Hein. Merde, pardon. Je vais péter la boîte. Oui, c'est vrai. Petit clignotant avec le stick. Voilà. Pas de warning par contre. Ah si, quand tu cliques sur le stick. Et du coup R2 pour faire les appels de phare où tu peux apercevoir devant le véhicule. Malheureusement je ne peux pas te montrer de face à moins que... Attends, j'avais pas un frein à main ? J'avais pas de frein à main. C'est étrange ça d'ailleurs. On va essayer quand même. Je veux voir la voiture de face. Ah voilà. Et quand même les freins qui deviennent rouges, t'as vu ? Ça, ça fait gaffe. Bon. Ah oui, certes, ça marche arrière. Bah, je peux pas m'éloigner plus que ça de la caméra, malheureusement. Bon, je sais comme ça. Ah voilà. Du coup, ouais, je sais pas si t'as vu les freins. Mais c'était bien bien rouge. J'ai remis la musique juste à 15, hein, donc la moitié. Hein. Ça fait un boucan. En vrai, il y a un truc un peu agréable de se balader la nuit comme ça, tu vois. Alors attends, observe bien les roues. Je vais essayer de prendre de la vitesse et de bien freiner. Tu vois ? Ah, petit détail, hein. Petit détail sympa quand même. Voilà. Non, c'était vraiment cool. Pour l'époque, c'est vraiment cool. Avec mon petit sticker Fast and Furious, là. Y'a pas de circulation en freeride ? Oh, c'est dommage. C'est dommage. En gros, tu vois, tous les modes noisy, etc. de Assetto, bah, ça découle directement de là. Hein. Et oui, ni plus ni moins. Bref, voilà, c'était une courte vidéo. Juste, j'avais envie de rejouer à ce jeu. Et de le présenter, rapidement. Je pense que j'essaierai de... Soit jouer à une Importuner Challenge. Je crois que c'est une Importuner Challenge ou une Importuner. Bref. Soit d'y jouer en live. Soit de faire le Tokyo Highway Challenge 2 sur Dreamcast. S'il manque apprécié à la capture. Bref, en tout cas, check mon stream. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Mais non, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai hâte pour le Tokyo Extreme Racer 2025. J'espère que c'est pas une couille du genre jeu mobile à la con, je sais pas trop quoi. J'espère vraiment que ça va sortir sur PS5, Series X. Surtout PS5. En vrai, c'est un jeu typiquement, tu vois, PlayStation et tout. Ça serait très très cool. Même si je doute que ça trouve son public. Après, ça peut être un jeu juste en démarre. Hein. Aussi, hein. On sait pas. On a aucune info, juste que ça revient. C'est tout. Voilà. Bref, sur ce. Merci de regarder cette vidéo. Si t'es arrivé jusque là. Encore une fois, n'oublie pas les liens en description si ça t'intéresse de voir un peu plus ce que je fais ailleurs. Passe une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Sont l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. N'oublie pas, car moi j'oublie pas. À la prochaine, tchuss.